Bonjour et bienvenue dans ce mini-épisode de Psychologie de comptoir numéro 3, baby! Aujourd'hui, nous allons encore parler d'évolution de personnage. Cet épisode est directement lié aux propos que j'ai tenus dans l'épisode 6 qui vient tout juste de sortir, alors n'hésitez pas à le regarder au préalable, même si je risque fortement de me répéter comme très souvent dans cette émission. Bref! Alors on va parler des persos comme Stuart qui n'ont pas eu la chance d'avoir un développement plus approfondi que ça, ou du moins un développement très lent avec une brusque accélération quand on se rend compte que « Putain, c'est la fin de la série, les gars, dépêchez-vous, il faut trouver un truc !» Mais cette fois on va le mettre sur des personnages principaux de deux séries en particulier, Penny de Big Bang Theory et Jeff Winger de Community. Oui, j'ai profité de ce sketch pour faire mon illustration de propos, commençons. Je ne présente pas Big Bang Theory puisque je l'ai déjà fait dans l'épisode 6 qui concernait Stuart, mais ça ne mange pas de pain de le faire pour Community. Community est donc une série de 2009 créée par Dan Harmon où l'on suit la vie de 7 personnages différents réunis dans un groupe de travail créé par Jeff Winger, un ancien avocat exclu du barreau pour diplôme factice. Chaque personnage a sa raison d'être sur le campus de la mère divorcée à l'ancienne toxico, en passant par le vieux inscrit depuis 14 ans jusqu'au roi de la promo blessé avant l'inscription dans les meilleures facultés de sport. Chacun a un objectif qu'il doit atteindre et dont l'histoire va l'amener progressivement à son but. Community fait partie de ces séries annulées trop tôt pour faute d'audience, mais qui avait une fanbase suffisante pour attirer les investisseurs comme Yahoo qui financera la dernière saison de la série. Et il existe encore aujourd'hui le hashtag Six Seasons and a Movie, une initiative de la série elle-même incitant les fans à réclamer un film qui conclurait l'histoire du groupe qui s'est un peu dispersé en chemin. D'ailleurs, sortons un peu de l'analyse de perso, mais Joel McHale, l'interprète de Jeff, a répondu lors d'une interview qu'il serait ravi de jouer dans le film et que c'est un enthousiasme aussi partagé par Dan Harmon. Cependant, ce dernier est plutôt bien occupé puisqu'il est le co-créateur de Rick et Morty, la série animée de 2013. Anyway, là n'est pas la question puisque nous allons prendre la série comme telle et donc considérée comme terminée. Nous prenons donc Jeff et Penny au tout premier épisode des deux séries. Présentation. Penny est une jeune femme originaire du Nebraska et qui arrive à Los Angeles pour devenir actrice. Pour financer les cours, les déplacements et son loyer, elle décide de travailler au Cheesecake Factory. Penny est belle, elle est à la pointe de la mode, elle est ambitieuse et rêveuse. Elle croit en ses chances de devenir actrice. Jeff, quant à lui, est un ancien avocat exclu du barreau, ayant falsifié le contenu de son CV en ajoutant un diplôme qu'il n'avait pas. Il s'inscrit donc à l'université communautaire de Greendale pour repasser son diplôme le plus rapidement possible et rejoindre son ancien cabinet, étant né pour être avocat. Jeff est intelligent et cherche toujours la moindre parade pour arriver à ses fins. Pardon. Donc nous avons un point A et un point B pour les deux personnages, le point A étant le départ et le point B l'arrivée. Pour représenter notre chemin, nous allons donc faire un point de chaque côté et déterminer la vitesse d'avancée du personnage par rapport aux saisons. Bien entendu, ce n'est pas une ronde droite, hein, mais en général, lorsque l'on destine un personnage à un point précis, on essaye de l'amener à son objectif. Ce n'est cependant pas exclu que le personnage puisse atteindre d'autres objectifs entre-temps. L'exemple le plus simple, quitte à utiliser ma base de données Big Bang Theory que j'ai amassée durant le dernier épisode, est selon moi Sheldon Cooper. L'objectif du personnage est d'obtenir le prix Nobel de physique qu'il convoite depuis son enfance. Le chemin est semé d'embûches et parfois le ramène légèrement en arrière par rapport à des découvertes qui n'aboutissent pas au prix Nobel ou qui l'en éloignent. Objectif qu'il va tout de même atteindre. Cependant, il va réussir à améliorer ses compétences relationnelles, devenir plus empathique, mais aussi il va donner son cœur à une femme, ce qui est impensable durant les 5 premières saisons de la série. L'objectif peut être aussi de saison en saison, comme Supernatural, Jessica Jones, Teen Wolf, Doctor Who, etc. Dans ce cas, le personnage devra atteindre un but avant la fin de la saison, en général qu'il atteint quelques minutes avant la fin, enchaînant soit sur un nouveau problème, soit sur une conclusion de la saison. Ici, pour nos deux personnages, ce sera un objectif sur la longueur. En général, ce genre d'objectif est atteint à la fin de la série pour éviter que le personnage patauge sans but dans la série. Il suffirait de lui redonner un objectif, me diriez-vous. Mais il est vrai qu'il est plus simple d'établir un objectif atteignable par étapes et complètement atteint à la fin de l'œuvre que de s'amuser à adapter sa série à chaque nouveau objectif alors que les autres personnages n'ont pas atteint le leur. Nous allons donc présenter Penny, puis Jeff Winger, dont l'objectif sera atteint plus rapidement que prévu. Penny rêve donc d'être actrice et à multiples reprises, elle obtiendra des rôles dans des petites pièces de théâtre ou des publicités. Représentons son parcours sur les différents objectifs qui vont s'offrir à elle ainsi que son objectif principal, le point A représentant l'épisode 1 de la saison 1 et le point B l'épisode 24 de la saison 12, celui où l'objectif doit être atteint. Alors oui, c'est un bordel monstre, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe.
En bleu, nous avons la ligne de l'objectif principal, en rouge, la relation de couple avec Léonard, et en vert, l'émancipation financière. Ce sont les trois objectifs majeurs du personnage, mais elle en atteint d'autres plus petits que je ne vais pas représenter parce que... Mais regardez-moi ce bordel! En fait, ce qui me fait ranger un peu sur ce personnage, c'est que bien que son émancipation financière arrive et qu'elle commence à se prendre en main, elle abandonne son rêve alors qu'elle avait encore des chances. Bien entendu, il ne faut pas se voiler la face, le monde des acteurs est impitoyable et en particulier lorsque l'on tourne autour d'Hollywood. Mais Penny sait jouer, elle a obtenu des rôles et selon moi, elle se rabaisse souvent en soulignant que ces rôles qu'elle a obtenus ne la mettent pas en valeur. Cependant, le monde de l'acting, ce n'est pas seulement avoir des bons rôles, c'est se battre et enchaîner les auditions pour la passion de l'art. D'ailleurs, quand Penny se réfère à ses expériences dans le monde de l'acting, elle oublie souvent l'une des meilleures performances dans la pièce Un très moins nommé désir, une pièce unanimement appréciée par ses amis. Cet objectif restera inachevé malgré les ambitions du personnage et le soutien de son entourage, mais ce n'est pas la seule. Je présente donc Jeff Winger, beau, confiant, ancien avocat suspendu pour faux diplôme. Le personnage va donc à l'université où, malgré les événements rocambolesques qui arrivent au personnage, il obtiendra son diplôme pour exercer. Nous sommes à la saison 4, deux saisons avant la fin de la série. Jeff est dans sa dernière année et plus que tout, il a pris des cours en ligne afin d'obtenir son diplôme dès le premier semestre de sa quatrième année. L'objectif du personnage étant de redevenir avocat et de quitter Greendale au plus vite, toutes les portes lui sont ouvertes. Son ancien collègue lui propose de revenir dans son cabinet, il est diplômé avant la fin de ses études, il garde contact avec ses amis, bref, il y est et a suivi les étapes à la lettre. Mais il reste deux saisons et Jeff va se vautrer la gueule. À la fin de la saison 4, Jeff se rend compte qu'il veut défendre les plus démunis. Il ouvre alors son propre cabinet. Mais on découvre qu'au début de la saison 5, 6 mois après, son cabinet ne fonctionne pas, il est en dette, déprimé, au bord du gouffre. Engagé par Alan pour détruire Greendale de l'intérieur, il va y retrouver ses amis qui, après l'obtention de leur diplôme, n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient dans la vie. Alors qu'ils se préparent à une réinscription pour se réorienter dans leur vie professionnelle, Jeff signe un contrat avec le doyen pour devenir professeur, un métier temporaire qu'il ne quittera pas avant la fin de la série. Et c'est là que l'on a mal au cœur pour lui. Alors qu'arrive la fin des études de ses compagnons qu'il avait réunis ensemble à la saison 1, Jeff est confronté à la dure réalité. Ses amis avancent et lui reste là, dans cette université où il ne devait y être que le temps de redevenir avocat. Il est malheureux, a atteint son objectif sans pouvoir le savourer, et maintenant il comprend qu'il est bloqué dans une situation qu'il n'apprécie pas. Jeff a tout perdu, la carrière, l'émancipation et même l'amour. Et sincèrement, la scène où il est seul dans la salle d'études qui les réunissait 6 ans plus tôt est déchirante. D'un côté, on a une jeune femme qui n'atteindra jamais son objectif malgré les propositions qu'on lui fera encore par la suite, et de l'autre, un quarantenaire qui atteint son objectif sans pouvoir profiter des bénéfices. Et tout cela est grâce à l'évolution des personnages. Cela peut paraître décevant, en particulier lorsque les personnages autour de Penny et Jeff avancent et atteignent leur objectif, mais c'est au final quelque chose de naturel. Beaucoup de gens, dans la vraie vie cette fois, vont commencer un objectif en pensant être au bon endroit au bon moment, mais cet objectif dévie car la réalité les rattrape. C'est à vrai dire dommage pour ces deux personnages car ils avaient le potentiel de continuer d'arriver à leurs objectifs. Mais Penny a grandi et est devenue plus mature et plus réaliste. Son objectif était peut-être un peu trop gros ou trop impressionnant et, en tant que spectateur, il était difficile d'envisager Penny actrice du grand écran en l'associant avec les défauts psychologiques et socioculturels qu'elle avait, à commencer par la fainéantise qui la démotive très vite. Au final, l'évolution dont elle avait besoin pour se prendre en main et voir de manière plus réaliste et concrète sa carrière sont entrées en conflit avec une nouvelle carrière qui lui a apporté ses nouvelles qualités. Pour ce qui est de Jeff... Quand bien même l'échec de sa carrière l'ont fait plonger dans l'alcool et une carrière qu'il n'apprécie pas vraiment, il faut reconnaître que ce pourquoi il a échoué est une belle raison. Jeff est devenu plus empathique, plus sensible au malheur des autres. En conséquence, il ne peut plus agir avec autant de vice qu'il le faisait pour gagner ses anciens procès. Sans s'éparpiller dans les différents exemples à prendre, c'est un peu le cas de Rage qui a pu enfin parler aux femmes sans boire d'alcool à partir de la saison 7 et qui ne pourra rien en faire durant les saisons suivantes puisqu'il ne trouvera jamais une femme avec qui partager sa vie. Cependant, cette nouvelle capacité lui permet d'améliorer sa carrière en devenant présentateur d'un show au planétarium. Au final, ce n'est pas une non-avancée comme Stewart ou Ted, c'est un résultat de l'évolution. Si Penny n'avait pas abandonné sa carrière, elle ne serait pas devenue vendeuse de produits pharmaceutiques et elle n'aurait jamais obtenu les qualités qui lui auraient permis de devenir actrice. Si Jeff n'était pas devenu plus empathique, il n'aurait pas échoué dans sa carrière, il n'aurait pas retrouvé ses amis et il n'aurait pas été la cause de leur changement de motivation puisque c'est grâce à lui que ses amis repassent des diplômes afin d'atteindre des objectifs qui leur correspondent mieux. Bien sûr, contrairement à Penny, il participe plus à l'évolution de ses amis qu'à la
la sienne, quand bien même il développe des qualités qui lui permettent de se développer indépendamment d'un objectif. Mais ces deux personnages n'étaient pas au même stade de leur objectif, ils n'évoluent pas de la même manière. Je vais conclure en disant que même si votre personnage n'atteint pas son objectif à la fin ou qu'il l'atteint un peu plus tôt dans la chronologie de la série, il continuera à évoluer dépendant d'un nouvel objectif ou non. Je tenais à faire ce point supplémentaire par rapport à mon épisode précédent, étant donné qu'il me faisait penser à ces deux personnages qui resteront un peu sur le carreau contrairement à leurs amis. Juste une petite touche positive. Toute petite. En tout cas, c'est la fin de ce mini-épisode en espérant que j'aurai un peu complété le contenu de l'épisode précédent. Je vous souhaite une bonne heure, journée, soirée et vous embrasse très fort. XOXO. Shout when Maggie does a fit splitter! Ha! Ha! Cry when Sally...